Demain, il y a Fernande qui fait ses 90 ans, donc qui fait son anniversaire ici. Donc elle fait monter toute sa famille qui est sur la côte. Et bien donc là, du coup, je vais faire revenir les épaules d'agneau que j'ai farci avec de l'ail et du pistou. Tous les anciens, ils tiennent à leur village. Donc comme il y a une auberge qui est ouverte, ils jouent le jeu de faire leur anniversaire et tout. Et c'est assez sympa. Moi, je m'appelle Guillaume Piollet et ma passion, c'est la cuisine. Je suis cuisinier. Je me suis retrouvé dans la cuisine parce que les autres écoles ne voulaient pas forcément de moi. Et après, je vais les faire cuire pendant 8 heures à basse température. Je suis fils de producteur de foie gras. Donc le canard, ça fait 30 ans que je baigne dedans, donc c'est ce que je fais le mieux. Comme tout le monde fait une cuisine niçoise et que moi, je ne suis pas niçois, j'essaie d'apporter autre chose. Ce qui est bien, c'est que les gens du village, ils jouent le jeu. Donc ça, c'est cool, ils viennent manger. Souvent, quand ils ont des événements, ils les font ici. Et cet été, un dimanche soir sur deux, je leur proposais des soirées villageoises. Où c'était des petits repas pas chers, genre burger, pizza. C'était une soirée cassoulet aussi, parce que c'est Toulouse, c'est mon pays. Quelques semaines après que je sois arrivé, j'ai accidenté ma voiture dans les virages de Pierre-Lasse. Donc je suis resté 2 mois sans voiture. Donc c'est les gens du village qui m'emmenaient faire les courses ou qui, à chaque fois qu'ils descendaient, qui me disaient « T'as besoin de quelque chose, Guillaume ?» et tout. Et ça, c'était vraiment super sympa.